Là, actuellement, je suis au Jardin Suspendu, toujours au Havre. Et au Jardin Suspendu, ils ont des serres et ils cultivent du café. Ils sont en train d'ouvrir les serres pour réguler la température. Au Jardin Suspendu, ils cultivent de l'arabica, du robusta. Et peut-être qu'un jour, ça ne serait pas surprenant de voir le café français du Havre, juste pour la publication dans le journal, uniquement pour ça, parce que avec les quelques arbres qu'ils ont, ils peuvent pas faire une production. C'est en 1728 que les premières graines de café sont arrivées au port du Havre via les Antilles. Maintenant, le port du Havre reste le plus gros importateur français du café. Néanmoins, souvent, c'est de la grande quantité au détriment de la qualité. Mais heureusement, il y a des maisons comme la maison Belco qui commencent à mettre l'accent, qui mettent l'accent sur la qualité et qui nécessitent forcément un travail beaucoup plus important de la part des producteurs et des importateurs. Et là, ça donne une réelle identité du café. Reprendre la route, direction Rouen, où personne ne m'attend. J'ai contacté personne. Allez, je vous emmène. Je suis arrivé dans un petit endroit sympa. Je me suis dit, ah, je vais être bien installé ici. Et puis finalement, eh ben, c'est pas le bon plan du tout parce que la connexion internet, elle est nulle. Nulle de chez nulle. Et puis, il y a plein de moustiques, mais pas des petits moustiques, des gros moustiques. Sur mon pied, là! Du coup, ce que je vais faire, je vais simplement manger, faire une petite pause de 10-15 minutes et puis reprendre la route. Je suis presque arrivé à Tancarville, mais je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour poser ma tente, me reposer, tourner la vidéo. Il y a de la 4G, je vais être bien mieux ici que dans les bois avec plein de moustiques. Et je vais le faire avec la Nano Preso. Franchement, le résultat, il est vraiment cool. C'est correct. Elle est pas belle, la vie ? J'arrive à profiter des quais de la Seine. C'est magnifique, il n'y a personne. Je me suis installé près de la rivière. Et puis après, j'ai réfléchi, je me suis dit, attends, si de l'eau monte et qu'il y a les bateaux qui passent, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Donc avant le coucher du soleil, eh bien, je me suis déplacé, j'ai mis mon campement ici. Je vais sûrement dormir là cette nuit. Mais il y a une seule chose qui m'embête, c'est qu'il ne me reste plus que Sado. Voilà. J'ai plus de bouffe non plus, j'ai plus à manger, il me reste un vieux fond de pâte, mais je peux pas les faire chauffer. Pour me réconforter, j'ai quand même une vue magnifique, un calme sans nom, je suis loin de la circulation, il n'y a pas de passage ici. Pourtant l'herbe a été coupée, mais il n'y a personne. J'ai pu me baigner, j'ai pu prendre ma douche, prendre mon bain, me savonner, me laver les cheveux, et régulièrement je vais faire un tour dans l'eau pour me rafraîchir, et ça c'est vraiment le top, le kiff total. Allez, c'est parti mon ami, on va au Prélude à Rouen. Allez, et la mobilette est lancée. Aïe aïe aïe, là, lâchez les watts. Lens, sors de ce corps. Je vais essayer de tenir environ 25 secondes ici.
En fait, ça paraît hyper compliqué au début. Et en fait, tu vois, moi, je commence à bien faire tourner ses bandes comme un chaud et tout. En fait, tu te rends compte que c'est pas si compliqué. Comme vous l'entendez, le son est pas terrible, du coup j'ai préféré ne pas mettre cette séquence. Et finalement, on a beaucoup parlé de comment fonctionnait le coffee shop et aussi de latte art, des choses plus techniques. Concernant le prélude, donc c'est un coffee shop, ils font pas mal de gourmandises, de pâtisseries comme vous l'avez vu, c'est très gourmand. Alors j'en ai pas mangé parce que juste avant, j'ai mangé une de leurs assiettes qui était très colorée, très bonne. Et du coup, j'étais vraiment repu. Je n'avais plus de place même pour une petite pâtisserie. Donc si vous êtes à Rouen, n'hésitez vraiment pas à passer au coffee shop du Prélude. Alors c'est pas un torréfacteur, ils font pas leur propre café. Ils achètent du café par exemple à d'autres torréfacteurs. Là je crois que c'était le café de Kawa Coffee qui était en vitrine. Et le café il est très bon, ils servent aussi du café filtre. Excellent, c'est un geisha, j'ai super adoré. Merci au Prélude de m'avoir reçu. Et moi je vais continuer ma petite visite dans Rouen. Il avait un braquet terriblement petit. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Comment vous appelez ça? Un démarrage? Un spasme? Je ne sais pas, il a accéléré, mais avec un braquet. Il avait, on dit des fois, un braquet d'asthmatique quand on met tout petit. Et pour terminer la journée, je suis arrivé chez les torréfacteurs normands. Ils torréfient leur café ici et là, ils préparaient la réouverture aux clients. Ça fait bizarre de voir quelqu'un qui filme comme sa boutique quand on arrive. Ah, c'est cool, moi j'aime bien. Parce que ici, le café, c'est surtout du partage, quoi. C'est ça. Donc, nous, on a un peu modifié notre espace, vu qu'on ne peut plus faire de dégustation. Donc, en fait, ici, on travaille tous. Il n'y a pas de télétravail. Il y a ceux qui bossent sur le site web, ceux qui bossent pour les pros, ceux qui bossent pour l'administratif, ou ceux qui bossent à la boutique habituellement. On s'est tous réunis ici. Ouais. Donc en fait, on a créé notre espace de vie dans notre boutique. Et en fait, c'est super cool. Bon, là, c'est grave la galère. Je suis à Rouen et il est 16h30, 17h. Et j'ai toujours pas trouvé de logement. Donc, ça pue. Ça pue parce que en haut, le ciel commence à être très menaçant. Et je sais qu'ils annoncent de l'orage. Donc, c'est un peu la merde pour moi ce soir. En fin de soirée, j'espère que je trouve un logement. On va voir.